Depuis suffisamment longtemps pour avoir une vision un peu double, celle à la fois de l'artiste, du plasticien puisqu'il est et peintre et sculpteur, simultanément, même s'il a abandonné un petit peu la sculpture actuellement, et aussi une vision de l'homme. On ne peut pas forcément les séparer, mais ce sont quand même deux éléments autonomes qu'il faut connaître, qu'on ne connaît pas forcément. On pourrait connaître l'artiste plus que l'homme, ou l'homme plus que l'artiste. Et je crois qu'il y a une profonde cohérence dans la vie artistique et dans la vie tout court de Bernard Mortérolles, à savoir cette espèce de force tranquille qu'il peut incarner et qu'il incarne dans sa peinture, dans son parcours artistique et dans ses rapports humains. Je suis Bernard Mortérolles déjà. Je suis né en 1942, ce qui n'est pas tout jeune. Et puis j'ai consacré ma vie à la peinture. Il y en a qui consacrent leur vie à Dieu, moi c'est à la peinture. Voilà. Donc, mais je ne suis pas moine. Hein. Quoique, il y a des relations parce que, quelque part, la solitude de l'atelier, c'est aussi la solitude de du moine dans sa cellule. Quoi. L'avantage, c'est que moi, le midi, je peux sortir, aller à l'apéro, voir des copains et tout ça. Encore que, l'autre jour, j'étais à côté de Langogne. Il y a un gars il y a une boutique, ils vendent toujours des tas de choses, des colifichets, des trucs, des bouquins sur la religion et tout ça. Et il y a un gars qui était en civil, une chemise à carreaux, genre cow-boy et tout. Et je lui dis, mais vous faites partie de la maison? Il me dit, oui, je suis moine. Ah bon? Et je lui dis, mais... Il me dit, non, mais quand je suis à la boutique, je suis pas en uniforme. Il me dit, bon. Et je lui dis, mais vous êtes d'où? Il me dit, de Paris. Ah bon? Ben, je lui dis, moi aussi, je suis né à Paris. Je lui dis, mais ça vous manque pas, Paris? Il me dit, si. Il me dit, il n'y a plus de bistrot ici. Il n'y a pas de problème culturel, je peux pas aller au théâtre, je peux pas aller... Il est moine, hein, trappiste en plus. Et je lui dis, mais avec les autres moines, comment ça se passe? Oh, il me dit, avant on était... presque 80 quand je suis rentré ici, maintenant on n'est plus que 16, et sur les 16 on n'est que 2 à avoir moins de 80 ans. Alors je lui dis, ben oui, mais comment vous faites? Bon, il me dit, c'est la vie, hein. Mais je lui dis, mais vous vous en plaignez? Ben il me dit oui, parce que c'est un peu sévère et tout. Mais je lui dis, si vous l'avez choisi? Il me dit oui, mais on ne sait jamais à quoi on s'engage, tu vois. Et alors, la relation avec la peinture, c'est que, c'est vrai, quand tu rentres en peinture, tu rentres presque en religion, c'est quelque chose que... Je ne sais pas quoi faire d'autre, quoi, tu vois. Et quelque part, il y a des fois, ça pèse aussi, tu vois. Je descends de ma chambre, là-haut, qui est à l'étage au-dessus, et la première chose que je fais, je rentre dans mon atelier. Je rentre dans mon atelier pour voir ce que j'ai fait la veille, tu vois. Et donc, si tu veux... Il y a cette, une obligation morale que personne ne m'a donnée, mais que tu respectes toi-même par rapport à ton propre travail. C'est très compliqué, quoi, je veux dire. Et si je dois aller quelques jours en Lozère ou n'importe quoi, puisque là j'étais en Lozère, je veux dire, il y a un truc... l'atelier me manque. Je veux dire, il y a un manque, quoi. Comme le moine qui, si on le privait d'aller à la messe le matin. Mais bon, c'est comme ça. Ma messe à moi, c'est là. Quand je suis sorti de l'armée, mon père était peintre. Il n'a jamais fait sa profession, mais il peignait très très bien. Tu vois. Et alors, il y avait une chose qui me faisait chier, mais c'était vraiment le mot. C'est qu'il ne s'occupait pas des gosses. Quand il sortait du boulot, il allait peindre. Tu vois. Alors, quand t'es gosse, que t'es minot, t'as envie que ton père il s'occupe de toi et tout ça. Bon, et il a monté des trucs en mécano avec moi et tout ça. Mais quelque part, c'est jamais assez. Quoi.
Et alors il peignait, et je lui disais toujours, qu'est-ce que tu m'emmerdes avec ça, parce que quelque part, qu'est-ce que c'est de peindre tout ça? Et puis quand je suis sorti de l'armée, j'avais un oncle, un cousin et deux cousins qui étaient chez Walt Disney. Et mon père, il m'a dit, bah, si tu veux, je peux te faire rentrer chez Walt Disney. J'ai dit, bah oui, pourquoi pas, tu vois. Et alors, c'est toute une histoire, parce que le chef de studio de chez Walt Disney, il s'appelait Sigismond Slabotkin. En plus, il était parkinsonien, et il tremblait comme je sais pas quoi. Et alors, non mais c'est extraordinaire. Il prenait son à l'époque, il faisait les dessins à la plume et tout ça. Il était là. Il tremblait comme ça, il posait la plume, et à partir du moment où il a posé la plume, il faisait un dessin magnifique. Mais il la relevait pas, hein, tant qu'il y avait de l'encre sur le truc, parce qu'après, il fallait qu'il retrempe. Pour mettre ça dans l'encrier, déjà, il trouvait pas le trou. Et il reposait la plume là où il avait fini, et il faisait merveilleux, il était extraordinaire. Et ce monsieur, il a pris sa retraite un an ou deux ans après que je sois rentré chez Walt Disney. Il a été remplacé par un gars qui avait fait l'Indochine et qui avait perdu une jambe en Indochine sur une mine. Et ce gars-là, avec qui je m'entendais bien, il m'a pris comme second. Et il va passer des vacances en Tunisie, parce que là je raconte mon histoire de comment la peinture et tout ça. Et il va en Tunisie, il a une crise d'appendicite, il ne veut pas se faire opérer en Tunisie parce qu'il ne voulait pas se faire. Et il fait une péritonite dans l'avion et il est mort. Et comme j'étais l'adjoint, je suis passé chef de studio. Sinon, je crois que j'aurais jamais été chef de studio chez Walt Disney. Et la bande dessinée m'a toujours plu. D'ailleurs, ça se voit dans la peinture, parce qu'il y a toujours quelque chose qui reste de la bande dessinée. Et je peignais un peu déjà, tu vois, parce que bon, je faisais les tableaux comme mon père, quoi. J'avais compris que quelque part, c'était bien, ça reposait l'esprit, on n'était plus. Puis j'ai pu arrêter. Après, je suis parti de chez Walt Disney parce que, enfin, au bout, je suis parti en 80, je crois, ou 79, je ne sais plus. Bernard était quelqu'un qui a travaillé, qui s'est trouvé dans le creuset de ce qu'on a appelé le renouveau de la figuration, les nouvelles figurations des années 60, qui était une période extrêmement forte et où la peinture s'est renouvelée profondément et où il y a eu vraiment des ruptures, peut-être beaucoup plus mais de ruptures que ce que l'on peut vivre actuellement. Et il a été non seulement un témoin, mais un acteur de cette période-là. Il a donc été quelque part quelqu'un qui correspondrait à ce qu'on pourrait appeler, même si je n'aime pas forcément la notion, une avant-garde. Hein. Et il l'a fait avec une sorte de tranquillité, disons, d'intelligence des rapports humains qui est assez exemplaire. Il a réussi à être à la fois lui-même et en s'insérant partout, tout le temps, dans un rapport au collectif. Il a été dans les épisodes de travail collectif qui se faisaient à l'époque, qui étaient des épisodes extrêmement intéressants, aussi bien avec les Malassi, avec d'autres artistes comme Yvan Messac pour des tableaux collectifs. Et il a développé un parcours sur l'image, sa critique, puisque c'est ça le fond de son expérience de peintre, en renouvelant singulièrement son propos à chaque étape. Je suis devenu président du Salon de la Jeune Peinture. Toujours pareil. Non, il n'y avait pas de mort, là. Mais il n'y avait pas de parkinsonien non plus. Mais enfin, je suis quand même devenu président du Salon de la Jeune Peinture. Mais c'était pendant les années... c'était tout de suite après 68. C'était un peu... Le Salon de la Jeune Peinture, c'était un peu les peintres engagés, si tu veux. Si tu veux. Il y en a beaucoup qui, après les engagements, ont arrêté de faire de la peinture. Ils faisaient des affiches politiques, ils faisaient des choses comme ça. La plupart ont participé aux affiches de mai 68. Moi-même, j'y suis allé plusieurs fois. Toute la nuit, on dessinait les affiches. Moi, j'ai travaillé sur une affiche qui c'est la jeunesse que l'avenir inquiète. Tu vois, je l'ai remise dans un de mes tableaux, d'ailleurs. Et on faisait des affiches comme ça, et tout, aux Beaux-Arts, dans l'atelier de sérigraphie et de lithographie. Alors c'est des affiches, c'était dessiné un peu comme certains
dessins de Charlie qui sont pas toujours très très bien dessinés, mais qui, enfin, pas très bien dessinés, non, c'est pas le mot, mais qui n'ont pas la rigueur du dessin classique, quoi. C'est des caricatures, c'est vite fait, voilà. Mais c'était des gens qui travaillaient au musée. À l'époque, c'était au musée Galliera, qui est maintenant le musée de la mode. Et ils faisaient les peintres témoins de leur temps. Et les peintres témoins de leur temps, à un moment donné, il y avait un tel, comment dirais-je, une telle censure, auto-censure, etc., qu'il y en a une partie qui ont créé un nouveau salon, la jeune peinture, qui est restée, enfin, qui est devenue militant, quoi. Voilà. Dont beaucoup ont arrêté de peindre, parce que c'était des militants avant d'être des peintres. Et puis, tous ceux qui sont restés peintres, Gérard Fromanger, Messac, enfin, je te cite des noms, Guyomard, etc., enfin, eux sont restés, et certains ont abandonné le côté militant aussi, ils peignent pour peindre, voilà. Et puis, il y a une minorité comme moi qui, dans ma peinture, il y a toujours un message politique. Mais pas politique au sens politicien, au sens grec du terme, politis. C'est-à-dire organisation de la cité, tu vois. Le côté politicien ne m'intéresse pas, en plus, j'ai horreur de la politique politicienne. Donc, si tu veux, mais il y a toujours. Ou une critique de la société, ou essayer de dire les choses autrement pour qu'elles ne soient pas convenues. Ben, à partir de 80, j'ai décidé que je ne faisais plus que ça, et du coup, j'ai quitté Paris, je suis venu ici. Le travail de Bernard et des peintres de sa génération, c'était vraiment sur l'idée de comment repenser la figuration et surtout comment y donner une dimension critique et surtout comment penser le sens. Est-ce que la peinture pouvait agir sur le monde? Avoir un nez, pas forcément d'une manière directe, mais comment on pouvait faire en sorte que l'artiste ne soit pas quelqu'un qui soit à part, isolé, dans une sorte de tour d'ivoire, ce qui est l'image, comment dirais-je, la plus établie de l'artiste depuis le 19e siècle, hein, mais être au sein d'une société et essayer de décrypter le réel à travers ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'ils se sont posés quelque part la question de qu'est-ce que le réel? Quel réel doit-on envisager? Est-ce qu'on doit faire, on doit le penser de manière presque naturaliste en fonction du rapport à la nature? Ça peut être une peinture de paysage, ça peut être une peinture sur même la ville, etc. Ou est-ce qu'on doit le penser comme une sorte d'interaction avec l'être humain, avec donc le travail, avec le pouvoir, et donc le penser à travers les images que cette société produit. C'est ce qu'il a fait et c'est ce qu'il continue à faire. Alors, pour répondre plus directement à votre question, effectivement, le travail critique sur les images est une permanence dans son action de peintre et qu'il continue aujourd'hui et qui est plus que jamais nécessaire dans la mesure où maintenant, si on fait une espèce d'aller-retour très, très rapide, il y a 50 ans, on avait déjà un flot d'images extraordinaire. Maintenant, c'est une sorte de maelstrom avec Internet, etc., où il y a des images en continu qui se succèdent, qui nous envahissent, et comme on sait qu'aucune image n'est innocente, il faut effectivement pouvoir les décrypter individuellement pour avoir une vision critique, et une des fonctions de l'art, c'est aussi d'avoir un regard critique sur ces images-là pour les réinsérer dans une pratique artistique et donc les mettre à distance, puisque c'est ça aussi, hein. Une des fonctions de l'art, c'est de mettre à distance les images du monde, la réalité, pour pouvoir la voir autrement, à travers le prisme individuel et aussi une analyse collective. J'aurais pas su quoi faire d'autre. Si, il y a un moment donné où j'ai fait une série qui s'appelait Les Jardins barbares, et qui n'a rien à voir avec la peinture genre bande dessinée et tout ça, qui était beaucoup plus lyrique, beaucoup plus enlevé, tu vois. Parce que ça. Enfin, là, c'est pas fini, ça commence. Si tu veux, il y a quand même une rigidité dans le dessin qui rappelle la bande dessinée, tu vois. Sauf que là, on travaille à l'envers. C'est-à-dire que dans la bande dessinée, on part des contours noirs et on remplit en couleur. Tandis que là, je fais la couleur et après, je fais le contour noir. Mais j'ai toujours fait, enfin, d'une manière concomitante,
souvent deux séries, si tu veux. Une série qui est très militante dans le sens où je l'ai dit tout à l'heure, pas dans le sens politicien. Et puis une série qui était plus légère pour faire la peinture, tu vois. Mais quand même, la musique de jazz est une musique contestatrice au départ. Elle est pas, c'est la musique des Noirs et tout ça. Et puis je sais pas si tu as remarqué, mais dans les tableaux sur le jazz, c'est pas le musicien qui est en exergue. C'est toujours l'instrument. Le musicien est en... Voilà. Donc il est pris comme l'instrument est pris comme un instrument de lutte musicale, d'accord, mais c'est pas, je veux dire, c'est volontaire. Le personnage m'intéresse pas finalement. Enfin, il m'intéresse dans la mesure où j'aime mieux tel personnage ou tel autre. Mais l'instrument m'intéresse plus que, tu vois. Mais ça paraît plus léger parce que justement, le message, si message il y avait, n'est pas évident. Tu vois, il faut déjà avoir une réflexion sur la musique de jazz et tout ça. Pour Les Jardins barbares, c'est pareil. C'était lyrique et tout. Mais en même temps, je me rappelle plus ce que je faisais en même temps. Peut-être la série sur Dante et tout ça. Mais Dante en soi, c'est aussi. C'est pas rien, quoi, je veux dire. Par rapport à la religion et tout ça, si tu rentres dans le symbolique, tu rentres dans les luttes morales, il y a des jugements, par exemple dans l'enfer, que l'enfer est toujours plus intéressant pour les peintres et tout ça que le paradis ou le purgatoire. Je cherchais. Pour moi, le purgatoire, c'est un entre-deux, donc j'ai du mal à l'exprimer. Les entre-deux, ça me plaît pas beaucoup. Et enfin, pas, ça dépend lesquels, mais ceux de la peinture. Mais à aucun moment, si tu veux, j'ai fait de la peinture pour la peinture. Et ça m'a valu d'ailleurs d'être moins recherché par les acheteurs que certains qui font de la peinture pour la peinture. Moi. Alors, des fois, il y a des différences un peu de style. Pourquoi? Parce que je pense qu'on ne peint pas un arbre comme on peint je sais pas, un militant de l'intifada, par exemple. Tu vois, je veux dire, si je peins le militant de l'intifada comme je peins un arbre, où il va paraître végétal, ou c'est l'arbre qui va paraître. J'ai des difficultés à expliquer pourquoi, mais si tu veux, une pierre, c'est une pierre. On peut la peindre d'une certaine manière. C'est le problème des impressionnistes. Les impressionnistes, ils ont eu une manière de peindre qui plaît à tout le monde. Parce que les tableaux impressionnistes, c'est quand même quelque chose. C'est à peu près ce que les gens connaissent aujourd'hui. Les amateurs de peinture, il y a une exposition sur l'impressionniste, ils se précipitent. S'il y a une exposition de Mortérolles, ils ne se précipitent pas. Hein. Il y a un autre. C'est un autre langage, finalement. Et donc, on peut voir des variations. Mais le fond du problème reste le même pour moi. Il faut toujours qu'il y ait une critique de la société ou qu'il y ait, comment dirais-je, un accent sur un problème sociétal. Par rapport au pop art, la figuration narrative, c'est le pop art français. Hein. Il n'y a pas. Warhol, qui était un publiciste à l'époque, à l'origine, je veux dire, quand il met une boîte de soupe Campbell en énorme et tout, on peut dire bon. Mais non. S'il met ça, c'est parce que ça représente la société américaine. Et quelque part, c'est une critique de multiplier les soupes Campbell ou la lessive Brio ou je sais pas quoi. Mais si tu sais décrypter le pourquoi de la chose, en dehors que lui, c'est pour gagner beaucoup de fric,
il y a quand même une critique de la société dans laquelle il vit. C'est rare que les peintres, à part les peintres de petits paysages, etc., dont sont emparés tous les amateurs d'ailleurs, sont capables de faire un Jeff Koons ou même un Mortérolle. Mais si tu veux, en général, les peintres, et même quand tu repères, par exemple, le radeau de la Méduse. Le radeau de la Méduse, c'était une critique de la politique du moment. Il y a eu des problèmes avec la marine. L'enterrement de Sardanapale, c'est pareil. Enfin, tu vois des tas de toiles. Alors, à l'époque, il n'y avait pas la photo. Alors, pour gagner leur vie, ils faisaient beaucoup de portraits. Aujourd'hui, les peintres, ils ont plus le droit de faire des. Enfin, ils ont le droit de faire des portraits, mais si tu veux, c'est pas prioritaire. Maintenant, tu vas dans un photomaton, t'as ta figure. J'étais voir l'exposition de, comme je te disais, de Warhol à Paris. Il y avait le photomaton, et tu choisis, et ils te sortaient un format grand comme ça, à la Warhol. Pas comme les photomatons d'antan. Tu vois, avec des différences de couleurs, des changements et tout ça. Bon, alors, pourquoi peindre un portrait, quoi, je veux dire. Donc, j'en ai fait quelques-uns d'ailleurs, mais ce n'est pas. Alors, les impressionnistes ou ces gens-là, ils ont été utiles dans la peinture parce qu'ils ont révolutionné la peinture. Ils ont présenté une autre manière de peindre. Mais le contenu même, il n'y a pas de contenu, quoi, je veux dire. C'est un beau paysage, c'est des fleurs, c'est un bouquet de fleurs. Il sera toujours plus beau enfin, en vrai ou en photo que peint par n'importe quel barbouilleur du coin. Même moi, bon, bref. Et puis, il y a plein de choses comme ça, tu vois. Donc, si tu enlèves le contenu de la peinture, elle ne sert à rien. Elle sert déjà pas à grand-chose, mais si tu enlèves le contenu, il ne reste plus rien. La jeune peinture, les salons de la jeune peinture de cette époque-là, puisque maintenant il n'existe plus, c'était des salons de rencontres, de débats, de contacts, d'affrontements entre les peintres qui eux-mêmes voulaient prendre leurs affaires, leur vie, leur existence en main, ce qui n'est pas exactement la même chose à l'heure actuelle, où l'individualité, l'individualisme a pris par la force des choses le pas. C'était vraiment essayer de trouver des collectifs. Et les collectifs, ça s'affronte, ça se discute. Hein. À la jeune peinture, il y a eu des moments où c'était les peintres eux-mêmes qui acceptaient ou non les œuvres, avec des malentendus, avec des injustices, avec ce que l'on veut, des règlements de compte, quelquefois peut-être aussi, parce qu'il faut le dire. Mais il y avait cette démarche-là qui se voulait, pas forcément démocratique, mais qui se voulait dans une sorte de confrontation et de dialogue, donc d'échange. Et donc ce type de travail, d'action, y compris dans les interventions collectives, se faisait pour que d'autres publics les voient, pour que d'autres publics aillent à la découverte de ces artistes. Et donc, pour Bernard, effectivement, dans ce type de peinture, le contact avec le public, l'analyse du public est essentielle, puisque son travail est par définition polysémique. Hein, c'est-à-dire, donc, qu'il y a une intention réelle, parce que Bernard sait ce qu'il fait quand il compose, quand il a un projet à partir d'images, mais après, il y a un retour. Un retour, c'est une dialectique des regards qui fait qu'on peut discerner, avoir des malentendus, au contraire, parfaitement comprendre le propos, et chacun, à ce moment-là, échange. C'est le principe d'une œuvre d'art, c'est aussi d'avoir cette réalité à la fois dans le présent et y compris dans le futur, puisqu'une œuvre d'art continue à être lue, décryptée, et elle est un moment de l'existence, même elle est un moment du rapport social au monde, quoi qu'il arrive, c'est dans une histoire qui se déploie. Et donc, effectivement, Bernard a besoin du public. Le cherche et le trouve. Oui, non, mais pour la bande dessinée, c'est pas, si je mets les personnages de bande dessinée, c'est parce que j'ai travaillé dans la bande dessinée. Mais c'est aussi parce que ça peut attirer aussi les gens à regarder la peinture autrement. Je veux dire, ils ont l'habitude de voir Mickey.
Et par exemple, j'ai un tableau où Mickey, tu le vois, je sais pas où il est, je crois que je l'ai encore celui-là. Il est dans différentes positions, et la dernière image de Mickey qui est comme ça, il est en train de se shooter, tu vois. Et oui, mais c'est la société telle qu'elle est, quoi, je veux dire. Même les personnages, le gamin qui est gentil comme tout, ça va finir peut-être un mauvais dealer, quoi, ou un drogué, et il va mourir de... Donc, quelque part, bon, c'est pas tout le tableau, c'est une partie du tableau. Mais là, ça répond un peu à ta question. Un personnage de bande dessinée peut parfois être plus important que le. J'aurais pris un portrait de quelqu'un, je l'aurais mis, et à la fin, il shootait. Je ne sais pas si, en voyant ça, on dirait, bah oui, bon, on le sait, le jeune, il achète de la drogue, puis il finit par se shooter, puis voilà. Tandis que quand c'est un personnage aussi familier que Mickey, les gens, ils disent, ah, un gentil en plus. C'est un gentil, Mickey, c'est pas. Ça peut les interpeller différemment. Et quand je mets un personnage de bande dessinée dans mes tableaux, c'est toujours un peu dans ce sens-là, tu vois. C'est le personnage qui. Tu vois, c'est le gars qui est bien habillé pour aller, puisqu'on est dedans, dans la messe, à la messe, et puis qui mange d'abord un sandwich parce qu'il a faim, et puis qui a une grosse tache comme ça, tu vois, dessus. Et dans sa soucoune, il a beau être bien habillé, personne ne verra, verra la tache. Point. Les gens, ils passent. Et c'est un peu comme ça, si tu veux, les personnages que je mets, qui, des fois, n'ont rien à voir avec le tableau. Où il est derrière un personnage. Donc, après, des fois, il y a des problèmes culturels aussi. Les mangas, c'est aussi la violence et l'érotisme. C'est plus. Donc, c'est pour appuyer un peu ce genre de réflexion. Mais. Et puis, sans vouloir, parce que la peinture, il n'y en a pas beaucoup qui la regardent, alors, hein. Il ne faut pas être. Mais les jeunes qui ne regardent plus la peinture, les jeunes maintenant, si c'est pas du street art, hein. D'ailleurs, je me demande si je vais pas aller peindre les rues, mais si tu veux, ça les fait réfléchir autrement, parce que c'est leur culture. C'est. Parce que. Quand tu regardes les peintres du passé ou n'importe quoi, la plupart, par exemple Léonard de Vinci, c'est la Joconde. Il y a un tableau que tout le monde connaît, c'est la Joconde. Il y en a même qui connaissent la Joconde sans connaître Léonard de Vinci, mais en fait, si tu veux, ça pose le problème de qu'est-ce que la peinture? Pourquoi on peint, je veux dire, tu vois? Et il y a plein de choses comme ça. Alors, et elle n'est pas éternelle. Elle n'est pas éternelle, parce que qui sait que le radeau de la Méduse a été un problème politique? Le radeau de la Méduse, c'est un radeau, des gens qui se bouffent entre eux, et encore, il y en a qui ne le savent pas, parce que c'est pas dans la peinture, on ne le voit pas. Mais ça a été comme ça quand même. Aujourd'hui, c'est un beau tableau. La peinture, le message n'est pas éternel. Point. On a beau faire tout ça. D'abord, la Terre, 4 milliards 500 millions d'années, l'être humain, même pas 1 million, enfin, pas l'être humain, hein, les humanoïdes, à peine 1 million d'années. Hein. Mais l'Homo sapiens, c'est-à-dire que celui qui a commencé à peindre, et tout ça, il n'a pas 50 000 ans. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est que la conserver un tableau? Parce que même dans la matière, c'est pas éternel. Et si tu veux, allez, dans 2 siècles, même avec les problèmes de restauration, alors on saura plus ce que ça veut dire. Peut-être qu'on n'aura plus les moyens de restaurer, parce qu'à un moment donné ou à un autre, la matière va s'écrouler. Hein. Il y a des tableaux entiers maintenant qui sont à moitié refaits. Il hein. Faut savoir ça aussi. Donc. Si la Terre tourne encore 1 million d'années,
dans 1 million d'années, ma peinture, il y a longtemps qu'elle sera dans les poubelles. Hein. Il faut, je pense que quand tu travailles, il faut que tu travailles pas le moment, mais si tu veux, tu travailles pour, mettons, 50 ans, quoi. Où le message, si message il y a, est encore compréhensible. Sinon, tu te perds dans. Alors, si l'esthétique, c'est une chose. Mais moi, je ne travaille pas l'esthétique. Alors, je travaille que sur le. Tu vois, des fois, il y a un truc qui est mal foutu. Tu vois, mal foutu, mais il est là, il est là, quoi. Parce que s'il faut le refaire, putain, j'en ai pour 8 jours. Alors. Voilà. Je te disais tout à l'heure avec le Mickey, c'est un personnage gentil. Mais quand tu sais que c'est un personnage de la culture américaine, quand tu le détruis à la fin parce qu'il se shoote, je veux dire, en réalité, tu dis que la société américaine, c'est une société pourrie. Hein, c'est mon idée. Hein. Il y en a qui en bavent devant la société américaine, pas moi. Même pas le Coca-Cola, j'aime pas ça. Donc, si tu veux, et pourtant, j'ai fait des séries sur Coca-Cola, mais à chaque fois, ça diminue. C'est de la contre-publicité. Et il y a un bouquin aussi qui a été fait par Jean-Luc Chalumeau, qui est La peinture dans Coca-Cola, où je suis dedans, etc. Mais, si tu veux, les personnages emblématiques, ça permet de tenir un discours que tu ne pourrais pas tenir avec des personnages abstraits, quoi. Voilà, si à la place de Mickey, je ne sais pas, je peins un poupon, comme là, les gens ils diront, il exagère, le poupon, tu veux. Mais ça ne marquera pas. Là, c'est un personnage emblématique. Il a, si tu veux, il a une histoire et tout. Et il est perverti par ce que je dis avec. Donc, j'arrive à pervertir l'idée en pervertissant un personnage de bande dessinée. Voilà, en gros, c'est ça, quoi. En réalité, je ne prends jamais rien au sérieux. Non, non, mais c'est vrai, je veux dire. Si tu ne peux pas faire des peintures comme ça et puis prendre les choses au sérieux. Je veux dire, la vie, elle est trop con pour la prendre au sérieux tout le temps. Je veux dire, donc il faut mieux. Non, non, mais c'est sérieux ce que je dis, pour une fois. Si tu commences à t'embêter avec toutes les lois, la morale, qui est toujours la morale des autres, jamais la tienne, etc., mais tu t'emmerdes profondément. Et la vie est très courte. Alors donc, autant se marrer de tout, même de la mort. Parce que si tu rigoles pas de la mort, c'est la mort qui rira de toi le jour où tu vas mourir. Donc, quelque part, il faut le prendre bien. Bah, tu sais que c'est comme ça, et puis bon, en espérant pas trop souffrir sur la fin, parce que ça finit quand même toujours par une catastrophe, puisque tu t'en vas. Mais bon, il faut prendre les choses, pas forcément à la rigolade, mais avec humour. Hein, parce que sinon, c'est pour ça que dans ma peinture, j'essaye toujours d'avoir un côté humoristique. Il y a une dimension comme ça, il y a toujours un petit personnage qui ne devrait pas être là, parce qu'il est là par humour, ou il a une position qui ne devrait pas être. Et puis l'humour, c'est quand même aussi fort. Ah, mais c'est plus fort que la dérision. Hein. La dérision, l'humour met en dérision certaines choses, mais sous forme de sourire. Alors que. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui, à l'image de Charlie Hebdo, le gosse qui était mort sur les plages, ils lui ont mis un sac à dos dans le dos et il a marqué « Bienvenue à McDo » ou je ne sais plus qui, tout ça. Mais les gens ne savent... Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. On a une acculturation des choses. Ils n'ont pas compris que cette image était plus forte que le gosse qui est simplement mort sur la rive, il n'y a pas que lui. Il y en a des dizaines de gosses qui émigrent et tout, à tort ou à raison, ça c'est un autre problème. Mais il a, en mettant ça, un cartable sur le dos, McDo, bienvenue à McDo et tout ça, et je ne sais plus ce que c'était le sous-titre, c'était presque arrivé, ou c'est dommage, enfin, et quelque part, c'est la lecture de cette image, c'est la dérision
de la culture occidentale, enfin, ce qui reste de culture occidentale, le fric, la bonne bouffe, enfin, la malbouffe, pardon, de chez McDo et tout ça, et les gens fuient leur pays pour arriver, ce qu'ils croient, à un pays de cocagne, alors qu'ils arrivent dans la même merde que... Enfin, ils prennent... Ici, on ne prend pas encore des bombes sur la gueule, mais ça viendra. Et quelque part, cette image était très, très forte. Très, très forte. Et les gens ne l'ont pas compris. Alors, sur... D'abord, les gens, ils ne comprennent rien. Pour la plupart. Et non, ils savent... Non, non, c'est pas... je leur en veux pas. Mais décrypter une image... C'est plus difficile que de décrypter un texte. Alors, je vais t'arrêter tout de suite. Il n'y a pas de confrontation avec les jeunes parce que, paradoxalement, je me faisais la réflexion hier, au vernissage avec des vieux, pour une peinture. Les jeunes, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le street art, c'est les tablettes et tout, et la peinture, peinture, il n'y en a pas des masses. Et donc, c'est... Et je pense que la peinture telle qu'elle est pratiquée jusqu'à ma génération, il faudra un nouvel essor, parce que la peinture ne mourra pas, ça j'en suis persuadé. Mais on est dans un creux, si tu veux, tu vois. On est dans un creux, d'ailleurs ça se voit sur le côté merchandising, qui est un autre problème. Les peintres, on a tous beaucoup, à part les grands, enfin ça c'est un autre problème, mais on a beaucoup de mal à vendre. On en vend. Je veux dire, mais... alors, il y a ce qu'on appelle maintenant l'art contemporain, qui n'est plus tout à fait de la peinture. Enfin, pour beaucoup, une ficelle avec une saucisse pendue au bout et une souris qui est en dessous. Je veux dire, évidemment, un psychologue, un philosophe et tout ça, il écrira un bouquin là-dessus, entre la saucisse, la ficelle et la souris. Mais eux vendent. Pourquoi ? Parce que des gens comme Pinault, les milliardaires, ce n'est pas milliardaires par hasard. Ils achètent ces gars-là, ils achètent 5, 6, 10, 15, 20, 30 œuvres à 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros. Mais le jour où Pinault il le met dans sa collection, c'est 400 000 euros. Mais comme il en a acheté 30 ou 40, il a 40 fois 300 000 ou 400 000 euros. C'est un objet de spéculation, c'est plus un objet de réflexion. Parce qu'il n'y a plus que le discours. L'esthétique et tout ça, la manière de peindre et tout ça. Maintenant, dans les beaux-arts, non, mais je connais ça, hein, les beaux-arts. D'abord parce que c'est un foutoir, mais ceci dit, on apprend des choses. On apprend plein de choses, mais pas forcément à peindre. Ça, c'est... On apprend la réflexion, etc. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de conceptuels maintenant. Le concept compte plus que la réalisation. Mais le concept, bon, il ne faudra pas de restaurateur, ça c'est sûr. Mais encore que, peut-être que les papiers, à un moment donné ou à un autre. Mais si tu veux, c'est devenu un objet de merchandising pour des milliardaires. Et ça, c'est... C'est une acculturation. Mais c'est une acculturation de l'Occident, de nous. Là, on va rentrer dans un autre problème, c'est-à-dire que là, c'est presque de la politique politicienne, c'est-à-dire que notre civilisation, elle est en perte de vitesse, c'est fini. Je veux dire, toutes les civilisations s'écroulent un jour, et la nôtre est en train de s'écrouler. Elle est en train de s'écrouler parce que, au XIIe siècle, par exemple, moi, je suis athée, mais quelque part, il y avait une pensée. Les cisterciens construisaient des cathédrales, des abbayes à travers toute l'Europe et tout ça. Il y avait une pensée. La civilisation actuelle, qu'est-ce qu'elle construit ? Rien. Même pas une pensée.
Rien. Et donc, quelque part, on est en perte de vitesse. Est-ce un drame? J'en sais rien, parce que toutes les civilisations disparaissent un jour, puis elles remontent après, et puis voir les civilisations arabes, je veux dire, avec Averroès et tout ça, tous ces gars-là qui étaient des gens d'une sagesse, d'une intelligence, d'une écriture extraordinaire et tout, quand tu lis les poèmes arabes, on aurait avancé de 2 siècles. Dans les mathématiques et tout ça, parce qu'à l'époque, bon, on les a fait reculer, ils ont reculé aussi dans leur pensée, et nous, on n'a pas avancé. Alors, moi, je suis athée, je m'en fous qu'il n'y a plus de cisterciens, mais à la limite même, je participerai volontiers à la destruction de trucs. Mais on ne construit plus rien, et la peinture s'en ressent. Je veux dire, maintenant, il y a un dieu. C'est l'argent. Tout ce qu'on fait, c'est pour gagner de l'argent. Alors, bon. Alors, c'est facile. Un jeune artiste, parce que ce n'est plus des peintres, pour la plupart, on lui achète, il faut qu'il vive, on lui achète 2000 euros, on lui achète 10, on lui achète 20, on lui achète 30. Puis d'un seul coup, il en gagne 400 000. 3 ans après, Pinault s'arrête, parce qu'il a revendu les autres, et le gars, il redescend à 2000 euros. Hein. C'est la situation financière des artistes. Ça s'apprend, c'est comme tout. Moi, le don, il y en a un par siècle comme Picasso qui a déconstruit la peinture, qui l'a reconstruit, qui un jour peignait comme ça, le lendemain il peignait comme ça, et puis le surlendemain il peignait comme ça, il pouvait tout faire. Bon, un génie par siècle, donc le siècle est passé, ça sera donc pas moi. Donc, quelque part, mais même Picasso, aujourd'hui, il est tombé dans le système. Donc, tu vois les émissions sur la peinture, hein, sur Internet aussi. Je veux dire, on ne parle plus du contenu. On te dit, un tel a été vendu 1 million d'euros, un tel a été vendu 400 000 euros, un tel... Tu prends Art Price là, sur Internet. On ne parle que de fric, on ne parle pas... Jamais, toutes ces grandes sociétés, les grandes sociétés de vente, etc., ne parlent du contenu de l'œuvre. Ils commencent par dire, mise à prix, 500 000 euros, point. Ils ne disent pas, tout juste, ils disent le titre du tableau, tu vois. Puis il y a le gars qui le groom, il le présente et tout, 500 000 euros, 600, 700... Et le lendemain, t'as hein, record battu pour un Modigliani, n'importe quoi, 1 500 000 euros. Voilà. Mais on ne dit pas ce que contient le tableau. On s'en fout. Il contient 1 500 000 euros. Voilà. C'est une pièce. C'est comme un bon du trésor, toi. Enfin, si tu veux, je fais pas. Je fais. C'est con ce que je vais dire. Je ne fais pas d'expo de village, si tu veux. Donc, je fais des expos dans les grandes galeries et tout ça. Et les gens qui viennent pour voir ça, ils se prennent plus au sérieux que le peintre. Si tu veux. Ils viennent parce que ça fait partie du jet tour. il faut avoir été à 2 vernissages dans la semaine. Donc, il te félicite, ça toujours, même si c'est dégueulasse. Non, mais ça fait partie de leur savoir-vivre. Mais c'est vrai, c'est une certitude. J'en ai jamais vu un qui ose dire, mais ce tableau-là, tu l'as merdé complètement. Non, non, putain, le mec il se dit, putain, j'achèterai jamais ça. Puis il dit, mes félicitations, monsieur Morterolle. Et parce qu'on ne fait pas que des chefs-d'œuvre dans la vie. Et loin de là, d'ailleurs, ça se saurait sinon. Et donc, c'est des gens qui sont très polis, bien avec l'arrêt sur le côté, beau costume, et voilà, bien propre sur eux. Tu as la formule. Et. Alors bon, après, les copains et tout ça, c'est autre chose, mais c'est pas les visiteurs, c'est autre chose, on en parle. Mais comme on a peur que l'autre dise la même chose de ton expo, le jour où tu exposeras,
Ben, tu as une réserve aussi, tu lui dis, c'est bien ce que tu as fait. Mais non, mais c'est la vie, quoi, c'est tout. Comme ça ressemble beaucoup à la bande dessinée, je veux dire, l'aplat en bande dessinée. Quoique maintenant, il y a des bandes dessinées où les gars, ils travaillent au crayon de couleur ou à l'aquarelle et tout, où ils font du relief et tout. Mais moi, je serais plutôt adepte de Tintin et Milou, Plic et Fluc et tout ça, la ligne claire, tu vois. Parce que en une seconde, tu as vu de quoi. De quoi il s'agissait, tu vois. Pas la peine de faire. Je t'ai dit, je suis pas. À la limite, je pourrais dire que je ne suis pas peintre. Pas peintre dans le sens de la peinture traditionnelle, tu vois. Si j'avais à faire le radeau de la Méduse, je ne mettrais pas des ombres, des machins, des trucs. Je ferais que les personnages. Mais aujourd'hui, je crois que ça suffit pour dire quelque chose. Parce que la compréhension est immédiate et on vit dans un monde de rapidité. Et faire les ombres et tout ça, la photo les fait très bien. Hein, je veux dire. Et donc, si tu veux, le regardeur. Parce que c'est le regardeur qui fait l'œuvre, hein, c'est pas le peintre qui fait l'œuvre. Enfin, c'est pas le. À partir du moment où la personne qui a vu le tableau te raconte le tableau, c'est lui qui a fait l'œuvre. D'où la difficulté de faire une image claire. Claire pour que, il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce que tu veux dire, quoi. Je reprends mon Mickey qui se drogue. Il ne faut pas que les gens disent, ah mais c'est merveilleux, on peut se droguer. Il n'y a qu'à voir le cinéma américain, où ça explose, on éclate les hommes, on les fait. Parce que les gens, ils aiment ça. Ils aiment la violence, ils aiment. Alors il y a une double face. C'est que quelque part, l'acculturation permet de dominer les hommes. Parce qu'un homme qui pense,
C'est un homme qui n'obéira pas forcément. Or maintenant, que ça soit un régime dictatorial islamiste où la vie est dictée à chaque instant par la charia, ou que ça soit un Pékin du coin où il y a une espèce de charia laïque qui te dit il ne faut pas fumer, il faut faire ceci, il faut faire cela, dans toute la journée et tout, c'est pas un problème religieux, mais quand même, pourquoi? Parce que ça soit des religieux, des politiques et tout ça, le fric et le pouvoir. Parce que les religieux, il faut savoir, c'est aussi le pouvoir. Parce que dans la religion, dans notre bonne vieille religion, et j'ai fait mes études au petit séminaire, hein, quelque part, on dit Dieu a fait l'homme à son image. Non, c'est l'homme qui a fait Dieu à son image. La preuve, c'est qu'il est sacrément ringard, hein, Dieu. Hein. Il est en blouse blanche avec des sandales à travers le désert, une barbe comme ça et les cheveux longs. À la limite, en 68, ça pouvait paraître quelque chose comment dirais-je, de à la mode. Mais aujourd'hui, où tout le monde a les cheveux courts et la barbe bien taillée, comme toi, et tout ça, il est ringard, quoi. Donc, nous avons fait Dieu à notre image. Pas Dieu a fait l'homme à son image, non. Enfin, pour moi, il n'existe pas. Alors, ça peut être que l'homme qui l'ait fait. Tu peux aller aux Beaux-Arts tant que tu veux. Tu apprendras des techniques, s'ils veulent bien, à discuter beaucoup, à glander énormément, mais ils ne te donneront jamais la solution. Si tu n'as pas d'idée ni rien, ils ne te donneront jamais la solution pour faire Guernica, quoi. Enfin, Guernica ou autre chose. Hein. Jamais. Les professeurs, c'est. D'abord, souvent, ils ne sont pas à la hauteur de Picasso, loin de là. Donc, ils ne peuvent pas te transmettre quelque chose qui est intransmissible. Et je ne sais même pas si Picasso aurait été à la hauteur de transmettre ça. Parce qu'il l'a fait avec ses tripes, il l'a fait avec son ressenti, il l'a fait sur le moment. Hein, ça a duré 2 mois ou 3 mois pour faire la toile, parce qu'elle est quand même énorme. Mais quelque part, c'est pas. Si on peint, c'est parce qu'on ne sait pas s'expliquer. Hein. Sinon, moi, j'écrirais. Hein. Enfin, j'écris d'ailleurs, mais ce n'est pas les mêmes choses. Je veux dire, je ne parle pas de la peinture. Il y a des. Le peintre, enfin, dans mon cas, et dans le cas de beaucoup de ceux qui veulent dire, faire passer une bribe de critique de la société ou de montrer quelque chose, s'ils peignent, c'est parce qu'ils ne savent pas le dire hein, ou le faire. Sans forfanterie, c'est un échec. Parce qu'on n'arrive jamais à faire ce qu'on voulait faire. Donc on est toujours en situation d'échec. Et c'est peut-être ça qui fait qu'on continue, toi, bêtement et connement. Pour arriver à quelque chose qu'on n'arrivera pas. Je veux dire, c'est pas en critiquant, parce que je fais de la peinture critique, que je changerai le monde. Donc déjà, premier échec. Si j'arrivais à changer la pensée d'une personne, ça serait beaucoup. Et je crois que j'y arriverais pas. Et puis, esthétiquement, etc., il y a toujours un regret de ne pas avoir fait ceci ou cela, tu vois. De dire, putain, j'ai fait ça, mais j'aurais dû le faire comme ça et tout. Quand un tableau est fini, je me dis, ah ben oui, mais si j'avais fait comme ça, tu vois. Mais je ne l'ai jamais fait comme ça, puisque c'est, tu vois. Il y a quand même quelque chose que les gens s'imaginent pas, c'est que c'est un travail. Le souvenir, oui. Si tu veux, le bon souvenir, c'est ma vie, parce que j'ai fait ce que je voulais. Mais à un moment, non. C'est toujours. C'est pour ça que je rigole tout le temps et que je raconte toujours des conneries à l'extérieur. Parce que quelque part, c'est sérieux de faire une image. C'est un travail. Et c'est un travail qui est relativement dur. Quand tu veux dire des choses et que tu veux le faire correctement, c'est pas une partie de plaisir. C'est un ressenti, c'est quelque chose que tu te lèves le matin, tu penses peinture, tu te couches le soir, tu penses peinture. Et j'ai même vu rêver peinture. Non, non, mais
C'est plutôt un fardeau intellectuel que comment dirais-je, qu'une partie de plaisir, quoi. C'est un boulet que tu traînes parce que tu as décidé d'être peintre. Et tu ne sais pas faire autre chose en plus. C'est ça qui est con. Sinon, il y a longtemps que j'aurais changé. Bernard, ça a été une découverte constante. C'est quelqu'un qu'on croit connaître. Quand on le rencontre, quand on est un peu familier avec lui, on croit le connaître assez vite. Hein. On voit le personnage qui aime la vie, est un bon vivant, est quelqu'un de chaleureux, d'amical, de sincère, de fidèle, en amitié. Mais après, au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a des pans de son parcours que l'on découvre au fur et à mesure parce qu'il n'en parle pas. Il est extrêmement modeste. Moi, je me souviens quand on a travaillé sur le jazz, on montre ses expositions dans le cadre du festival de jazz du Fort Napoléon qui existait à l'époque. Et puis, il me dit, moi, quand j'étais contrebassiste, je lui dis, tu étais contrebassiste, c'est ça? Il me dit, oui, j'étais contrebassiste avec un groupe. Et il y avait dans ce groupe, entre autres, le frère de Carlos, qui a été après un chanteur, mais qui avait toute une existence autour du jazz avec le frère de Sylvie Vartan, Eddie Vartan, qui avait un orchestre de jazz. Enfin, tout ça, c'est de l'histoire ancienne, de l'archéologie, mais en fait, ça existait. Je lui ai dit, mais quand même, oui, on jouait dans les clubs, et j'ai même accompagné, à une époque, un des premiers chanteurs de rock qui a abandonné le métier, mais pour devenir dentiste, et qui s'appelait Frankie Jourdan, qui a été le premier à faire enregistrer Sylvie Vartan. Tout ça se tient dans cette espèce de souvenirs autour de la mort de Johnny Hallyday, tout ça, il faut revenir en mémoire. Je lui dis, mais en fait, pourquoi tu m'en as jamais parlé? Parce que je joue plus, ça n'a aucune importance, je n'étais pas professionnel. Et donc, c'est fini, quoi. Je connais d'autres artistes et qui en auraient fait le dixième et en auraient quasiment fait un livre, quoi. Hein, dire. Donc, tandis que lui, c'était presque naturel. Il a cette espèce de diversité, cette modestie absolument pas feinte, qui fait que, bon, il a fait ça, c'est comme ça, ça fait partie de sa vie. Et donc, il est quelqu'un avec de multiples talents. Et son regard, son parcours, c'est vraiment quelque chose qui est dans cette logique de découverte et de curiosité incessante. Quoi. Je veux dire, il est ce qu'il est, il est dans ce courant essentiel qui est autour de la figuration narrative, hein, des nouvelles figurations, mais il y est en tant que tel. Il a été un acteur essentiel de cette période, puisqu'il a été président du Salon de la Jeune Peinture en 1974, avec, aux côtés d'Ivan Messac, qui est un ami proche et de lui et de moi. Et donc, ils ont joué un rôle primordial dans cette époque effervescente, hein, où maintenant on fête tout ça, où on célèbre 50 ans après 68 et tout, mais c'était vraiment un acteur essentiel de tout cela. Mais il a été, comment dirais-je, comme tous les vrais acteurs, comme tous ceux qui ont vraiment participé, c'est quelqu'un qui a préféré être dans la pratique plutôt que dans le dire, plutôt que dans l'apparence, plutôt que dans l'espèce de « moi j'y étais, j'étais austerliste, j'étais… » voilà, etc. Il a toujours préféré l'existence au paraître. Et donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait essentiel et qui montre, qui se retrouve dans sa peinture, qui a cette profonde unité, mais qui, quelquefois, Bernard a cherché d'autres voies. Il a pu quelquefois les abandonner parce qu'il trouvait qu'elles n'étaient pas productives. Mais c'est quelqu'un qui s'est toujours remis en question sur la base de ses acquis fondamentaux autour de la critique de l'image, et donc par là même d'une certaine société, d'une forme de société, dans un rapport social du peintre avec son temps. Donc, moi, si j'ai un message à lui dire, c'est continue le combat, Bernard. Nous sommes avec toi autant qu'on puisse l'être. Voilà.
Thank you.